Eh bien salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo découverte de Inazuma Eleven Striker sur Wii. Et oui, on est sur Wii, enfin on est sur la Wii U, mais vu que les jeux Wii fonctionnent sur la Wii U, eh bien j'en profite, parce que je ne le savais pas en fait. Voilà, je ne le savais pas du tout, et on me l'a dit durant un commentaire que ça serait bien que je fasse des vidéos sur des jeux Wii, parce que c'est vrai qu'il y a des petites perles, genre Donkey Kong, Kirby's et compagnie pour ne citer que, et Super Smash Bros bien entendu. Et puis voilà, donc la question dès le début, je vais vous la poser. Est-ce que ça vous intéresse d'avoir des vidéos découvertes, tests ou délires ou bref, tout ce qui est au niveau des vidéos sur des jeux Wii? Donc je sais qu'il y a le One Piece qui est sorti exclusivement sur Wii et sur 3DS. Il y a Beat the Beat, un truc comme ça. Enfin, plein de jeux sympas. Donc dites-moi, est-ce que ça vous intéresse, oui ou non, d'avoir des jeux de la Wii sur la Wii U? Voilà. C'est tout simple. Vous dites oui ou non, ça m'intéresse pas. Vous pouvez mettre un petit like à cette vidéo, ça me ferait super plaisir. Et la petite question concernant le jeu, là par contre, c'est est-ce que vous connaissez, on va dire, le manga ou dessin animé Inazuma Eleven? Donc pour ceux qui ne savent pas, pour moi, je connais pas tellement en fait, même pas du tout, mais ça fait vachement penser à Olivier Tom ou au film Shaolin Soccer. Je sais pas si vous connaissez, mais moi ça fait vraiment penser à ça. Vite fait, on m'a dit que c'était des petits joueurs de foot qui avaient pas l'âme mais qui avaient le talent de dieu de foot. Enfin bref, c'est assez compliqué. Si des personnes connaissent l'histoire précisément, n'hésitez pas à le dire en commentaire et à dire si ça passe sur une chaîne, puis qu'il y a peut-être des personnes qui seraient intéressées, tout simplement. Voilà, donc nous avons match amical, local du club, tournoi, paramètres et mini-jeu. On va faire paramètres. Alors, changer les règles, non. Par le jeu de volume, commande, non, tout va bien. Oui. Le comment jouer, je sais comment jouer. Parce que pour une fois, ils font un comment on appelle ça, une notice avec, je vais vous dire précisément le nombre de pages qu'il y a sur la notice. Parce que c'est tellement rare, une notice, enfin de nos jours. Le jeu est sorti fin 2012. Il est sorti le 28 septembre 2012. Voilà. Il y a combien de pages? Il y a 53 pages. Donc, c'est très rare qu'un jeu maintenant ait déjà une notice. Et encore plus avec plein de pages en couleur. Attention. Sur Gulli, ça passe, Kenzie me dit peut-être. Ça serait bien, non mais ça a l'air intéressant. Pour ceux qui ont connu Olivier Tom, ça peut être une bonne alternative. Après, faut surtout pas. Si vous voulez un jeu de foot hyper réaliste, passez votre chemin. Là, ça va être sans doute du fun. Alors, nous avons plusieurs équipes. Nous avons l'équipe Raymond, Royal Academy, Zeus, Raymond 2. Donc, peut-être plus tard, quand ils sont devenus plus forts. Attendez, je vois. Ou est-ce que les sont devenus plus forts, à voir. L'équipe Chaos, Alus Academy, bon ça on l'a pas encore, chargé équipe perso, là. Sélection mondiale, oh, ça a l'air énorme, Neo Japon et Inazuma Japon. Donc moi, j'aurais bien envie de prendre Raymond, parce que c'est l'équipe de base, on va prendre celle-ci, hein. Et on va jouer contre l'équipe Zeus, parce que je trouve, rien que le nom de Zeus, ça donne la pêche. Kenzie me dit, oh my god, oh what the fuck, tu oses comparer ça à comment on appelle ça, à Olivier Tom. Il faut savoir une chose, c'est que moi j'ai jamais vraiment été fan d'Olivier Tom. Je sais que ça peut vous paraître bizarre, mais moi j'ai, enfin, ça me saoulait plus qu'autre chose que durant tout un épisode il faisait que courir, et au final il faisait une attaque, je sais pas, 3 minutes en normal, prolongation, tir au but. Tout a l'air ok, par contre j'aimerais bien nouveau terrain Raymond, bah voilà, que je voulais jouer à domicile, donc c'est ok, commencer le match. En tout cas je pense me prendre une grosse torgnole, ça c'est clair et net. Après si vous voulez d'autres vidéos sur le jeu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça me ferait plaisir de vous faire des matchs de temps en temps, genre une fois par mois, ça pourrait être pas mal. Allez, c'est parti, le jeu est en français. Parce que la licence, c'est vrai qu'elle avait eu du mal à s'exporter en France, mais vu le carton qu'elle fait, maintenant on voit des jeux de plus en plus. Oh là là, ce match promet d'être très serré. Ici Chester Horse Junior pour un
Allez, c'est parti. Voilà, qu'est-ce qu'il fait le tac, lui? Hop. Donc, pour ceux qui veulent savoir, je ne joue pas avec un Wii U Gamepad ou quoi que ce soit. Je joue avec la Wiimote. Ouf. Je joue avec la Wiimote et le Nunchuk. À l'ancienne, voilà. Comme tous les jeux Wii. Donc, j'ai un petit peu du mal. Oh, punaise. Allez, comment on fait? Ah, okay. Comment on fait pour récupérer le ballon? Mais c'est quoi ce... Voilà. Oh, il est vieux lui en plus. Genre il joue dans les écoles alors... C'est quoi ça? Qu'est-ce que je viens de faire? La tour de Pise. Excellent ça. Oh, comment je l'ai électrifié. Oh là là, vite. Normalement tirer cette touche là. Ouh. Oh, il a fait une tornade de feu, tu vas bouffer cher mon cocorico. C'est quoi ce truc? Oh, c'est excellent ça. Ah, il me l'a arrêté. Oh, bien joué mon gardien. Oh, mais non! Pourquoi il a fait ça? Mais non! Ils ont marqué en pénalty alors que le gardien avait récupéré. Non! Oh, c'est vraiment de la triche. Ça, c'est quand les jeux veulent pas que vous gagnez. Bah voilà, ils font ça. Moi, à l'engagement, je suis toujours comme ça. Je fonce. Ça passe. Oh, qu'est-ce qu'il a? Mais c'est pas des enfants. Oui. Il doit avoir 20 ans au moins, 20-30 ans. Oh, je l'ai esquivé. Vous allez voir, c'est parti. Ok, donc faut vraiment pas être dans leur cercle, mais là, sans vouloir être de mauvaise langue, j'étais pas dans son champ. Oh, d'accord. Oula, j'en suis pas arrivé. Non, en Kaioken plutôt. Kaioken Freddy's. Vite. Les deux équipes semblent en pleine forme. Oh, mais non, putain. Ça, par contre, ce qui est dommage, c'est que ça coupe un peu trop le jeu. Après, il y a peut-être des options où on peut les enlever, ce genre de choses. Parce qu'à force, ça doit être assez saoulant. Mais en fait. Oh, mais. Oh, je fais des bonnes actions. Je suis sûr que je vais me faire torcher dans ce match-là. Mais au final, j'aurais fait que des bonnes actions. C'est-à-dire un petit retourné tranquille. J'ai fait un tir de la mort qui tue. Mais malheureusement. Allez, deuxième retourné, deuxième fois qu'il l'arrête. Par contre, la balle, elle a une physique assez chelou. Allez, mon coco. Allez, voilà. Là, tu te mets en position de frappe. Oh, on est au niveau 2. Ok, j'ai compris. Faut rester appuyé. Oh, qu'est-ce qu'il fallait faire? Oh. Tempête. Dites-moi pas qu'il va s'occuper de tous mes arrêts, là. Et voilà! Qu'est-ce qu'il y a un partout? Ouais! Ah, je l'ai bien défoncé. Ah, le jeu il me plaît bien pour l'instant. Comme quoi, des fois, on jouera dans le ralentir. Les ralentis sont un petit peu bizarres, ouais, non, en fait, c'est ce qu'on a vu, donc. Pas très intéressant. Allez, le but c'est au moins de faire. Ah, il tire d'ici, lui. En plus, il a un casque, on dirait un romain. D'ailleurs, j'ai vu, pas si longtemps, Astérix. Et le coup du menhir, c'était sur WNS, si je dis pas de bêtises. Bah, on va prendre niveau 3. Ok, donc c'est... Pamp, s'il tire d'une frappe de niveau 2, faut que je mette... Bah... Le truc du niveau 3 et ainsi de suite. Ok. Oh non, mais je. Mais tu connais pas le Nasseru. Ah, mais c'est dommage qu'on puisse pas vraiment esquiver ça. Oh, bon, c'est le jeu. Hein. Faut l'accepter. Mais c'est un petit peu dommage.
Vite, 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 vite. Voilà. Ouais, en fait, s'ils mettent pas plusieurs niveaux, j'ai l'impression qu'on peut pas marquer comme ça. Qu'est-ce qu'il va nous faire, lui? Lui va lui faire un boum badaboum. Le mur, ah ouais. Voilà, Romain, tu passes pas, ok? Romain, c'est pas son prénom. C'est une fille? Hello? Ah non, vu comment il parle. Enfin, la voix, je veux dire. Ouh, il a esquivé! Y'a pas d'enjeu là? C'est quand même, je suis quand même assez dégoûté. Le fait que je suis un penalty. Comme ça, on essaie de voir pas mal de coups. Je vais essayer de faire une bonne petite vidéo. Par contre, le gardien, j'ai l'impression qu'il est au niveau 2 lui aussi. Et qu'il va pouvoir l'arrêter là, par contre. Ça veut dire que maintenant, si je l'envoie à niveau 2, il pourra sans doute pas. Oh, bien joué, mon ami, bien joué. J'essaie le plus possible d'éviter de faire des super coups comme eux ils font en défense. Ok, franchement, c'est. Les frappes moyennes, voilà, on va les effets comme ça, non. Ok. Oh, mais non, mais de toute façon, il va me faire une attaque. Allez, allez! Putain, j'ai du mal! Oh, bien joué! Lui me fait vachement penser au personnage dans Altitude 21. Le bloqueur, le gros patapouf. Je me souviens plus de son nom. Il me fait vachement penser à lui. On se tire comme que j'ai foutu. On a 54% de la possession, mais on gagne pas le match, donc c'est pas cool. On va laisser comme ça, que je connais rien du tout. Ah, Kurima, ou Kurama, ou... Ceux qui savent le nom, bah, n'hésitez pas à le dire, mais je m'en souviens plus vraiment. Et nous revoilà pour la seconde mi-temps, qui va l'emporter tous les regards. Mais ça fait vachement penser à Elfield, c'est pas ça aussi, hein. C'est des mangas ou dessins animés, parce que certains préfèrent dire dessins animés. Ou Kurita, voilà. Merci Kenzie pour une fois qu'il sert à quelque chose. Bon, après en même temps qu'on lui parle d'Ice Shield, c'est normal qu'il connaisse. Voilà. Là, vous m'avez énervé. Ma petite copine va faire son. Sa tour de pise. Voilà. C'est toujours le Romain qui prend cher. Hein. Je sais pas si vous avez remarqué. Oh, c'était deux à vouloir défendre. J'essaie de faire la passe, mais je vous avoue que j'étais un petit peu gourmand. Ah, c'est vache. Faites plus attention. Ah. Et c'est une remise en touche. Ils avancent. C'est dommage parce que je suis en train de les emmener dans mon but. Voilà. Ça, c'est ce qu'on appelle une passe. Ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas de faute. Enfin, si, pour les pénalties, mais sinon, il n'y a pas de faute de base. Ça, c'est cool. La victoire est à notre portée. Allez, là, on va aller faire le mastodonte. Ou pas. C'est parti. Ouais, j'étais obligé de tirer. Ils m'ont pris en sandwich, là. J'avais. Ok. Allez. Toi, t'as voulu me la faire à l'envers. Prends ma danse al dente. Quelle défense soudée! Quel ennui! Quel bel arrêt du gardien, mesdames et messieurs! J'ai l'impression qu'il n'y a que les attaquants. Bah, c'est un peu logique, mais j'ai l'impression qu'il n'y a que les attaquants qui peuvent faire la super attaque au niveau des buts adverses. Oh, on dirait trop un personnage de Saint Seiya, celui avec le masque. Oh! Il y en a beaucoup avec des masques, mais. Bon, non, on prend le niveau 3 au nœud maximum, donc autant jouer la sécurité que faire un niveau 2 et au final se prendre le but. J'aurais bien l'air. Quelle belle parade! Allez. Yeah,
une petite montée. Faut que tu me dis de tenir B, je le ferai pas. Oh! Enfin, vous voyez, là, elle était pas dans le truc. Bon, après, c'est toujours mieux que rien. Enfin, c'est moi qui récupère la balle. Ça, c'est clair. Mais. Oh! Voilà, on a mis pas la balle, mais qu'est-ce que tu faisais? Par contre, les voix françaises. J'avoue, faudrait peut-être que je regarde pour la prochaine vidéo. Si je peux mettre les voix en japonais et les sous-titres 3. Après, bon, s'il y a des jeunes abonnés qui regardent cette vidéo, bah, ils voudront peut-être la voix en française. Enfin, les voix en française, pardon. Pour éviter de devoir lire tout le temps. Ah, mais. En plus, il veut pas garder son niveau. Hein. Oh, bien joué. Il est aussi dans le Kaioken, mais. À moi. Aucune équipe ne scène du terrain. À moi. Trop facile. Ah, mais. Ils veulent vraiment se battre. Il en est joué. Oh, mais. Regardez ça. Il va pas tirer là. Oh my fucking gosh! Allez, c'est parti! Bel arrêt du gardien, mesdames et messieurs! Allez! Putain, j'arrive! Chaque fois, je me prends des buts sur des trucs comme ça en plus. Pas de problème! C'est affligeant! Aucune équipe ne sait quel. Allez! Non, mais j'attends qu'il soit au niveau 2 au moins, parce que frapper comme ça, il ne marquera jamais de toute façon. Oh là, lui a l'air super speed. Super. Il a explosé le mec à côté, mais le gardien. Voilà. Ça, c'est mon mec. Enfin, on parlait, parce qu'après, ils vont dire comment t'as. Oh, tu aimes les garçons. C'est pas normal. Faut pas dire ça en vidéo. Il y a des jeunes qui te regardent. Il y en a qui pensent vraiment comme ça derrière leur PC. Je vous mens pas, c'est vrai que. Oh punaise. Des fois je vois des commentaires qui me rendent fou. Enfin, qui me font rire, parce que je bloque la personne après. Pour moi c'est vite oublié. Mais je me dis quand même, il y a des personnes qui sont culottées de dire autant de conneries derrière leur PC. Par contre après quand en face ils sont tout autres. Hein, après bon. L'anonymat permet beaucoup de choses. Ouais. On va peut-être se finir sur un. Bientôt dans les arrêts de jeu. C'est parti, prenez ça. Oh, je vais la balancer, putain. Ah, j'ai mon œil qui me gratte. Et bah dis donc, je me serais fait écraser beaucoup de fois avec son pied céleste. Vous allez... C'est parti. Ah bah à peine récupéré, tête de clown là. Bon, là, il n'y a pas moyen. Je laisserai pas avancer dans mon but. Casser un coup à. Allez. Oh. Allez. C'est peut-être la dernière chance. Non. Ah, il y a peut-être les prolongations, non? Je sais pas. Vous aurez peut-être le droit à des prolongations, les amis, ou à des tirs au but. Je crois que j'ai mis les prolongations. Pourquoi pas? Parce qu'on est à. Ouais. On a je sais pas combien de minutes. Et on s'en fiche, allez. On est là pour prendre du plaisir, du bon temps à jouer à un petit jeu. Oh. Voilà. Oh. Je vais faire que le niveau 2. Ouh, ils vont faire l'attaque au binet. Oh my gosh. Oblige, on le marque. Si on le marque, je me mets à poil. Attention. Ouh, la... Le ballon finit sa course dans les
je peux pas crier parce que ma mère elle est là. Elle est revenue. Mais il était magnifique. Ah, je sais même pas qu'on peut faire des attaques combinées. Ça, c'est excellent. J'avais attendu niveau 2. J'ai l'impression que c'est leur niveau 3, ça. Et il s'est rapproché de moi et boum, voilà. Et franchement, j'ai même pas fait exprès. Je l'avoue. Mais c'était magnifique. C'était magnifique. C'est à Zeus d'engager. Par contre, les prolongations ne s'arrêtent pas dès qu'il y a un but. Ok. Maintenant, va falloir avoir une défense. Je veux dire solide. Oula! Elle est Angel. Mais c'est même plus des boulets de canon qui nous balancent. Hein. Ah, mais j'ai l'impression que le niveau 3 il voulait pas passer. Ce sera peut-être un niveau 2 ça. Ah, s'il te plaît, s'il te plaît. Bien joué. Oh oui. Oh mais non, qu'est-ce qui s'était passé? Voilà. Allez, on va passer un petit peu sur les côtés. Maintenant, durant les prolongations, ça va être 15 minutes, vu que c'est la moitié, enfin, je pense, ou 10 minutes. Oh la faute! Plus Kaden était sorti. Ah non, là, il allait me prendre en sandwich. Hop. Désolé si vous entendez par contre quelques bruits des fois, des coups de fouet. C'est que je secoue ma Wiimote du coup, bah forcément. Pas un petit bruit. Oh, c'est quoi, c'est quoi? Oh non, je pensais qu'ils allaient se battre. C'était pas mal ça, vu que j'avais lancé une retournée niveau 1, il me semble. Toi, tu me fais tellement penser à Baggy le Clown. En fait, chaque personnage me fait penser à un autre personnage dans un manga. Oh, il a l'air tout mignon lui, qu'est-ce qu'il a fait? Je me souviens pas. Oh ben mignon mignon, ouais. Il a fait les hop hop hein. Oh. Ouh, c'est pas mal. Mais c'est... J'ai fait un centre mesdames et messieurs. Ah bah je... Non, en fait... J'ai fait une erreur, parce que j'ai... Oh, en fait, c'est peut-être pas une erreur. Oh, mais non. Ah, les fautes, ça existe, en fait. D'accord. J'ai fait une erreur dans le sens où je suis resté à pied. Les deux équipes semblent en pleine forme. Et là, genre, il n'y aura pas pénalty, vu qu'il le fait là. Ça, c'est les coups, tu le fais, pas de soucis, pas de problème. Plus c'est Axel qui a mis les deux buts, c'est Aphrodite en pénalty. Bon sang de bonsoir. Alors là, je préfère pas changer, comme je dis, je connais pas trop les pouvoirs de chaque joueur. J'ai pas envie de faire le con. Allez, les 15 dernières minutes. Attachez vos ceintures, c'est très serré, la moindre erreur serait fatale. Mais pourquoi il y a des fautes? Enfin, depuis tout le match, je fais des putains de tacs comme ça, eux aussi font pareil. Il n'y a rien du tout. Par contre, il est fatigué. Il est fatigué. Quel match renversant! Ils vont commencer à avoir des crampes. On ne lâche rien. Allez, j'y vais. Allez. T'es va tirer. Oh putain, c'est un niveau 3 en plus. Mais c'est toujours lui, hein. En fait. J'ai l'impression qu'il n'y a que Axel et Aphrodite qui savent tirer. Peut-être les avançants au final. Je pense qu'il passera. Au contraire. Toi, t'es mon dieu. Mon dieu du stade. Oh, mais. Tacle de la mort. Leur défense est une véritable muraille. Oh là là, mais. Allez. Et je vous jure, ils ont que... l'arbitre a quelque chose contre moi là. À moi de jouer.
Maintenant, je ferai même plus de faute dans le dans la surface parce que. Mon chat oh mais non, aujourd'hui là, je suis plutôt acerbé. Au moins, ça aurait fatigué un peu le gardien. Allez, on récupère ça. Ok. J'ai l'impression qu'il est chaud bouillant. Je voulais mettre niveau 2, mais vous avez bien vu qu'ils n'ont pas trop laissé de faire. Bon, il va falloir une barrière de Nimpa. Là je fais pas tacler. Tire ricochet. Oh my god. Quel talent incroyable. Ça passera pas. S'il passe, je trépasse. Nickel. Quelle belle parade. Pas de problème. Ok. C'est une remise en touche. D'accord. Ça c'est bon. Ça c'est mon mec. Courage tout le monde. Quelle bataille de titans. Oh là là. Charge de puissance. Elle défend. Allez, soudée. Vous allez voir. Allez, let's go. Par ici le ballon. On va essayer de faire un petit centre. Oh la faute qu'il m'a fait là. Allez. J'aimerais tellement marquer comme ça. Même pas peur. Ce serait tellement classe. Tac, levez la main. Mais je pense qu'on peut tirer comme ça en... avec des niveaux. Allez, il va me mettre bien chargé avec une défensive. Enfin, défensive plutôt. Une attaque. Voilà. Ça, c'est bien. Cette rencontre est terminée. Salut, cette très belle victoire. Fin de la deuxième prolongation. Vous avez eu un beau petit match bien long et bien dur. C'était Chester Hans Junior. Merci à tous. Et voilà. Donc 21 occasions, ouais, ils ont des coups francs, un penalty, au final j'ai plus de possession, ils ont fait beaucoup plus d'attaques aussi. Et puis voilà. Donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like, ça me ferait super plaisir à me dire comment vous avez trouvé le jeu. Moi, je vais sans doute faire un deuxième match, comme ça, je n'aurai un stock au cas où, si vous en voulez plus. Voilà. Donc moi, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, et puis c'est tout.